Dios me ha querido. Je peux continuer l'histoire. Je viens de commencer les gars, si vous voulez me suivre les gars, dites-moi. C'est parti. Alors, tu as le brassard? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille, sur la voie du Nord. Mère? Oui? Peut-on mettre à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Tu as un cadeau à offrir. Oh, Eva, attends. Skål! Astirbjørn! Le vrai roi de Reykjavik! Ce soir, nous renaissons tous! Eva. Mon roi, puissent nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Oh. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi. Al des rois, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel et mille merveilles. Un meneur sans disparaît. Les braves tuent la Valkyrie en mer. Au Valhalla et récompense leur paix. Allez, comme ce ne t'en cœur. Salut, monsieur. Pour ceux qui le clan de Cadmec, préparez-vous tous, guerriers. Bats-toi, Eivor. Ton heure viendra. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. Lâche-toi! Ugh!
prends le cheval. Attends ici. C'est à mon tour de devenir un marché canard esclave. Si tu acceptes ton sort et meurs en lâche devant les tiens, j'épargnerai les autres. Bats-toi, mon amour! Ne l'écoute pas! Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varine! Non, Varine! En tâche! Idiot, il va le tuer. C'est pas le dire! Je viens de lui prendre ses... Oh la tarade! Oh y'a le loup, oh y'a le loup. Ouais, je me bats contre des loups. Déjà fini. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vois deux flux de données distincts qui se chevauchent dans le même ADN. Je sais pas pourquoi. Corrige ça ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Vas-y, tu me conseilles quoi? En vrai, vas-y Nassim, tu conseilles quoi Nassim? Tu me conseilles quoi? Mâle ou femelle? Alors là Nassim, franchement tu peux m'aider. Ah il est possible de choisir... Ah vas-y attends, j'aurais tenté pour... je sais pas. J'aurais tenté pour une femme ever féminine vu que c'est une meuf. En vrai, je sais pas. Je vais choisir la maf. Tant pis. Parfait. Bon choix. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. J'espère que j'ai fait le bon choix. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups? 17 hivers? 18? Suis-je partout dans tes rêves? À t'échauffer les reins? Tu te souviens de ça? Ah, la hache de ton père. L'arme d'un couar. D'un pauvre serpent.
Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort, en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tu es tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein? Au navire. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends? Un corbeau? Le vent souffle du sud. Partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire, toi? Allez, ferme ta gueule. Pas de festin pour toi, Sinine. L'équipe. C'est pas grave, c'est pas grave, Sos. À toi d'être messieurs. Allez, on a la vision de Dain, non? Je crois qu'on a la vision de Dain. J'ai entendu parler de ça. Mon équipage est en danger. Il faut que je le rejoigne. Est-ce qu'on a les visions dedans? Ça va mieux. Oh putain, c'est un truc que j'ai pas vu. Ah, vision dedans, ouais. C'est quoi la vision dedans? Je me sens mieux. Plus forte. Comment ça, ça... Je sais pas. Je ne sais pas. Ah par contre ça va me plaire, par contre si on peut monter partout et tout, style de ouf. C'est là. C'est là que ce briseur de serment retient mon équipage.
C'est un des hommes de Kyoto. Je dois rester prudente. Wow. Non, c'est pas ça. Merde. Ok. Stylé. Okay. On peut pas sauter, ok. Mais quoi? Des guerriers de Kyoto. Il ne faut pas qu'ils me voient. On peut les porter, non. C'est doux. Du fer qui résonne. On se bat près d'ici. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi? Piotr V a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Valsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureuse de gloire. Tu irais les sauver toute seule
pour que l'on chante tes exploits. Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Tu me suis comme un chien battu. Va sauver notre équipage. Je ne dois pas être vu par ici. Mais vas-y, prends-le. Mais prends-le. Oh. Oh merde.
comment pour reprendre la ville? Attends, je crois qu'il faut un bouclier, hein. Voilà, ok. Là, on est d'accord. Je vais te couper en... Ah non, vas-y. Y a pas de mort silencieuse. Ah, ration. Non. Je sais pas comment tu remets de la vie. Les guerriers de Kyotve grouillent à Avalsnes autant que des poux. Si je passe par la grande porte, je risque d'attirer l'attention. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Il devrait y avoir une ouverture dans le toit. Si tu gigotes trop, ma hache va ripper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Ouais, je paladin. Lâche, libère-moi et donne-moi une hache. Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Toi,
Laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Allez. Oh non, c'est pas ça que je voulais. Je vais te vendre à Hel en personne. Agenouille-toi, Nico, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Crève, cette fiance. Mal. Ah, il m'a tué. Ah, j'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. Putain, gros, ça a pas cassé les couilles, par contre. Bien. Ouais, ça va, je galère un peu pour le jeu, mais... Je viens de découvrir. Le jeu. Je vais te vendre à elle en personne. Agenouille-toi, Nidéo, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Crève, sac de fiente. Wesh le nuque 21, ouais, j'ai quand même point de tempête, gros. Attends, mais gros, attends, j'ai changé la difficulté, gros, il est trop chaud. Attends, je vais changer la difficulté, gros, pas normal, gros. Ah ouais, attends. Je sais pas si je peux, si je crois que je peux. J'espère que je peux, hein. Je vais te... Son.
Ah, ok. Non. Bah, je suis dans la merde. Agenouille-toi, Mikio, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. Allez, recherche-toi. Crève, sac de fiente. Allez. Mais... Ah ouais, vas-y, j'ai plus d'endurance. Mais il fait trop mal. Mais il fait trop mal. Voilà, il fait trop mal. Mais c'est un sketch, ce jeu. Il fait trop mal, gros. Il met un coup. Fait trop mal le mec là. Je vais te vendre à Hell en personne. Agenouille-toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Ferme-la et bats-toi. En vrai, si garde la lance, c'est faisable. Crève, sac de fiente. Ah ouais, vas-y aussi. Change d'arme. Putain, putain. Pardon. De pute. Mais vas-y aussi. Non mais gros, laisse tomber, vraiment laisse tomber. Mais gros, il est trop chaud, c'est un sketch. Hmm.
rejoindre. Le King. Voilà, c'est bon. Tu meurs facile. Gros, ça reste que. Non mais gros. Attends, j'ai bien mis en scav. Hein. Ah, c'est bon. Hey, voilà un air pour toi. Un air qui aiguera tes pas. Ah, te voilà, ma petite reine. Bah. Notre roi. Ouais, bien. Approche. Tu as trouvé le brassard ? Bien. Maintenant, pour notre petite affaire. Quand tu me verras parler, approche aussi discrètement que Mulot. Et surprends-le avec notre cadeau. Tu le tiendras comme ça. Tu le regarderas et tu diras « Roi Styrbjörn ». Puisse nos clans être à jamais liés par l'amitié et l'amour. Tu peux faire ça pour moi ? Bien. Ce soir, tu seras la corde qui unit notre famille. Et je suis très fier de toi, Eva. Debout, Olaf. Ouvre les yeux, l'ami. Mon épée a soif de sang. Moi, j'ai envie de me battre. C'est un vrai bonheur d'accueillir des gens aussi charmants chez nous. Et tu n'as rien à boire. Viens, je vais te trouver ça. Je ne peux pas. J'ai un cadeau pour ton père. Oh, ce que c'est beau. Ça doit valoir au moins 2 robustes navires. Donne-moi ça, je lui offrirai. Mon père veut que ce soit moi, Sigurd. Comme tu veux. Mais tu n'auras pas d'hydromel. Le cèdre de Valka fait parler mon marteau. Alors, tu as le brassard ? Bien. Ton grand-père l'a porté lors d'une grande bataille. Sur la voie du Nord. Mère ? Oui ? Peut-on montrer à Sigurd les pierres de Cairn qu'on a empilées hier ? C'est une bonne idée. On fera ça demain matin, à la première heure. Allez, va. Tu as un cadeau à offrir. Eva, attends. Skål! Skål! Nos clans être à jamais liés par l'amitié et par l'amour. Oh. Merci, Eivor. Je suis pour toujours engagé envers toi.
Aldéroi, prêtez l'oreille. Cheval des flots, mes mots s'éveillent. L'hydromel et mille merveilles. Le meneur chante sans pareil. Les braves tuent la Valkyrie en mer. Au Valhalla et récompense leur paix. L'allégorme de ton cœur. Pour ceux qui luttent, pour ceux qui tombent. Le clan de Kyotve, préparez-vous tous, guerriers. Bats-toi, Eva. Ton heure viendra. Les rideaux sont levés. Rien n'est vrai avant d'avoir été coupé des branches d'Yggdrasil. C'est un bon jeu. Oh ouais, mais j'ai un peu du mal, hein. En vérité, j'ai du mal. Hein. Mais j'aime bien, c'est un bon style. Genre Viking et tout. Viens, Eva. Que je puisse faire mon clan et que je vienne conquérir les frontières. Au galop. Genre le Royaume-Uni tout. T'offre ma vie. Épargne mon clan. Tu as ma parole. Non, Varin. Non, Varin. Ornage. Passer un pouce bleu, les ça ferait plaisir. Non. Yeah.
de données distincts qui se chevauchent dans le même ADN. Je sais pas pourquoi. Corrige ça, ou sors-moi de là. Je peux utiliser un filtre sur les flux. Un instant. Ok, on est bon. Vraiment ? Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux contourner le problème. Pour être stable, tu vas devoir choisir un flux. Il y a une troisième possibilité. Je peux laisser l'animus moduler ton identité en fonction de la force du signal. À toi de voir. Vas-y, choisis le mec. Je sais pas ce que ça va donner, mais... Parfait. Je verrouille tout ça et je continue. Vers une époque où les flux sont mieux synchronisés. Ah, en fait, non, c'est pareil, en fait. Depuis combien de temps me traques-tu, ami des loups ? 17 hivers ? 18 ? 18 ? Suis-je partout dans tes rêves ? As-tu chauffé les reins ? Tu te souviens de ça ? L'âge de ton la père. L'âge de ton père. L'arme d'un couard. D'un pauvre serpent. Serpent. Rien ne me plairait davantage que de te tuer avec cette lame. Mais je sais que tu me défierais à mort en vue d'une fin glorieuse. Je ne peux le permettre. Tu finiras ta vie en esclave. Asservi. Et humilié. Et tu mourras seul. Tuez tout son équipage. Je veux qu'il souffre. Eivor, l'ami des loups, n'existe plus. Ce nom disparaît de ce monde. Tu vas me rapporter ton poids en argent, hein ? Au navire. Au moindre geste, je t'arrache les yeux, tu entends ? Le vent souffle du sud. Nous partirons au nord avant de couper vers l'ouest. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Attends, parce que du coup, je vais essayer de changer mes touches. J'ai changé mes touches parce que ça va pas faire comment. Commande. Alors, attends. Pas changer mes touches normales. Je peux pas changer mes touches. Je peux pas changer mes touches. Je peux même pas changer mes touches. Non mais c'est un sketch par contre. Non, j'ai même pas changé. Aide à la visée. Complète.
Ouais, je sais pas, on verra. On verra. J'ai mis en facile, je pense que j'aurai un peu moins de mal. Ah ok, comme ça, coupe de foudre. Plus fort. Gardons ça. Ok. Vas-y, vas-y, petit c'est caché. Dans les rations, je crois que normalement j'en ai. Des hommes de pied de fée. Je dois rester prudent. Mieux vaut éviter d'attirer l'attention ici.
prends pas l'enfant de Varin pour le marchand d'esclaves. Tu peux te servir d'un... Ok. Les guerriers de Kyotve. Il ne faut pas qu'ils me voient. Une fois que Kyotve possédera ses terres, nous vivrons comme des Jarls. On se bat près d'ici. Dag, vieux chien, tu es vivant. Oui. J'ai pu m'éclipser pendant le combat. Et toi ? Kyotve a voulu me vendre. Il regrettera cette erreur. Mais pas aujourd'hui. Je l'ai vu embarquer dans un bateau à Avalsnes il y a peu. Il est parti vers l'est en laissant notre équipage sur place. Il doit encore être possible de sauver nos hommes. Je vais m'en charger. Toi, prépare le navire. Coureur de gloire, tu irais les sauver tout seul pour que l'on chante tes exploits? Je peux aussi attaquer la plage si tu préfères. Tuer 20 hommes, reprendre notre navire dragon et déployer la voile en triomphe. Non, non, je vais m'occuper de la plage. Ce sera bien plus dangereux. Toi, fouille la maison longue à la recherche de nos hommes. Oh, et tiens, ce cadavre n'en aura plus besoin. Va, je te retrouverai au navire. Ok. Tu me suis comme un chien battu. Va sauver notre équipage. Guerriers de Kyotve grouillent à Avalsnes autant que des poules. Si je passe par la grande porte, je risque d'être... Maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur.
protéger mes arrières. Tenez vos regardes et concentrez-vous. La maison longue. L'équipage devrait être à l'intérieur. Si tu gigotes trop, ma hache va riper sur ta nuque. Ce serait dommage. Si je dois mourir, je refuse de te faciliter la tâche. Libère-moi et donne-moi une hache! Je ne te dois rien, fiente de corbeau. Ton clan ne compte que des esclaves et des paysans. Eh, hey, je vais te niquer ta mère, fils de pute! C'est ouf! Toi, laisse cette hache tranquille, ou c'est la mienne qui te tuera. Tu devrais naviguer vers l'Irlande sur un navire d'esclaves. Mais si tu tiens à être mon premier sacrifice, Odin sera ravi de t'accueillir. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Odin te tient! Je vais te rendre à Hel en personne! Pardon? Agenouille-toi, ami des loups, et je t'épargnerai. Mais ferme-la et bats-toi! Crève, tête de fiente! Pardon, il m'a mis un coup.
Voilà, enfin, on peut suivre la suite. Père, tu aurais dû la garder en main jusqu'à ta mort. Si je t'offre ma vie, épargne mon clan. Non, Varin. Non, Varin. Prends ta hache. Tuez-les tous. Eivor, on t'a ensorcelé, libère-nous. Ah, oui, bien sûr. Thank you.
Sandra. Ami, tu as toute ma gratitude. Ami des loups, même si tu semblais loin d'ici. Écoutez, si vous respirez, vous pouvez vous battre. Mort. Alors reprenons notre navire. Tu n'auras pas à nous le dire deux fois. Allez les gars, on y va! C'est parti! Favorable. La voix des baleines nous ramènera. Par les dieux, ce n'est pas trop tôt. Allez, arrête de jacasser les rames. Profitons du vent. Tu es silencieux, Eivor. Tu as quelque chose à dire à propos de ce désastre ? Nous n'avons eu aucune perte au combat, mais ceux qui nous ont humiliés sont morts. Qui aurait-il à dire ? Ah, quelque chose comme... J'ai été idiot, égoïste, inconscient, entêté, et je pue le sang et le fumier. Je préfère ma version. Regarde, Eivor. Quelqu'un installe un avant-poste sur cette île. Des hommes de Kyotve.
Ils grappillent toutes les terres inoccupées comme des poulets piquant le sol. Même avec toi un pied dans la tombe, nous pourrions les battre. Une grande surprise. Cette guerre dure depuis 3 générations. Je ne m'attends pas à ce qu'il abandonne. La haine envers cet homme te consume tellement qu'on pourrait s'y réchauffer les fesses. Ne préfère pas des braies en peau de phoque ? Défie-toi, Ivo. Ce genre de... C'est chiant ce qu'il a fait à ton père. Il nous l'a fait à tous. Ce combat n'est pas seulement le tien. Tiens, un beau butin. Filon. Allez, c'est parti, mon ami. Hissez la voile. Ce que j'adore, la pleine mer, les embruns, la houle, ça donne un sentiment de liberté. Et ensuite, se tourner et voir les fjords et la neige qui scintille. Ouah. Ce monde est vraiment merveilleux. Vois les épaules voûtées du triste Ymir, les vagues et l'écume de son sang, son cerveau, dans chaque nuage. Telle est l'œuvre du Père de toutes choses, et des siens, pour le peuple des guerriers. Nous devons lui rendre grâce. Écoute-toi encore à changer ton cœur en paroles, ce que nul ne fait aussi bien que toi. Devrais essayer, Dag. Cela n'a rien de difficile si on se laisse porter par ce qu'on ressent. Ah, je vais me contenter de ressentir les choses sans y mettre de mots, comme je l'ai toujours fait. Le roi
Styrbjorn te reprochera d'avoir fait fi de ses souhaits. Je m'y attends, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui t'inquiète ? La seule chose qui m'inquiète, c'est que le roi comprenne trop tard que j'ai raison. Et Sigurd ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Il était là, Sigurd serait assis à côté de toi, à essuyer le sang de sa hache et à sourire au baiser du vent. Eivor, regarde ! Un avant-poste de soldats ! Allons, on a déjà passé trop de temps ici. L'autre côté doit être barricadé.
ta maman. Aide-moi, deviens mes yeux. La voile, profite du vent.
attends. Je suis un menteur si tu veux. Ouais. Tu prends combien, tu prends combien la miniature? Ah bah vas-y, je prends trop de dégâts pour rien. Ah ouais, j'ai fait trop de dégâts pour rien. On va fufu.
Impossible de hisser la voile ici.
que comptes-tu dire au roi au sujet de cette mésaventure ? Toute la vérité. Nous avons attaqué la forteresse de Kyotbe, tué ses hommes et affaibli son emprise sur la contrée. Vas-tu mentionner que tu as perdu ton équipage et failli être vendu comme esclave ? Un bien joli passage pour ta saga. Bien Skald s'avise de chanter cette histoire, il ne chantera plus grand-chose après. Allez, on s'arrête. Nous pensions t'avoir perdu, Eivor. Pour de bon, cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Renby. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Sinon que ceux qui nous ont retardés sont morts. Et de ton côté ? Tout va bien. Même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage du roi, il est mécontent de toi. Je m'y attendais. Et Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne ? Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Heureux de l'entendre. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Tu devrais commencer à le savoir. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu ? Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kyotve. Et j'ai trouvé la hache de mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années, tu devrais la porter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du Nord. Je peux attendre. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas ? Retrouver la hache de mon père 17 ans après, cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis le jour de sa mort. Lorsqu'on m'a donné ceci. Des souvenirs de souffrances passées, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Elle pourrait m'aider à mettre de l'ordre dans mes sentiments. Prends le temps qu'il te faudra. Nous nous reverrons à la Maison Longue. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Comme cette hache. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Thank you.
Bonjour, Eivor. Eh, hey, mais qui voilà? Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Elvis. Ah, Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Pas pour l'instant. D'accord. Plus tard, peut-être. Ami des loups, content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle, une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser ? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Ça devrait faire l'affaire. Autre chose ? Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Me dire où la chasse est bonne? Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Svend, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Laisse-moi jeter un œil. Vas-y!
Tu as besoin d'autre chose? À une autre fois, Sven. D'accord. Tecla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Que n'importe lequel d'entre vous. Ne t'en fais pas. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de ronfler. Tove, tu délaisses l'aiguille pour la flèche. Eivor, tu veux bien m'apprendre à tirer à l'arc? J'en serais ravi. Tu vois comment je me tiens? Plante bien tes pieds dans le sol. Pas plus écartés que tes épaules. Inspire en ramenant la flèche vers toi. Regarde le point que tu désires atteindre. Maintenant, imagine que la flèche le traverse de part en part. Expire, puis décoche. Il devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka.
pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici. Altri e fenchi te, eh? Ouais, c'est loin aussi, elle. J'ai besoin de silence pour entendre les chants de la nature. Amuram. Amuram. Svala. Elle offre des louanges et elle est accueillie.
Pour votre oui, je tends l'oreille, ô ancien. Grand Odin, grande Freya, je vous remercie de votre don de Seydre. Elle rend grâce et elle est bénie. Eivor, cela faisait un moment. Qu'est-ce qui t'amène auprès de moi ? J'aimerais un conseil à propos d'une affaire privée. Bien. Comment se porte ta mère ? Elle a les idées embrumées. Elle parle aux esprits. Je crains qu'elle n'en ait plus pour longtemps. Mais je suis là pour elle. Maintenant, passons à ton affaire. J'ai une vision très puissante. C'était peut-être la rage du combat ou un délire dû à la morsure du froid, mais... Décris-moi cette vision. Après 17 ans, j'ai retrouvé la hache de mon père. Et lorsque je l'ai touchée, la vision m'a envahi. Il y avait un loup, féroce, qui hurlait. Et soudain, une silhouette, une barbe grise sous une cape et un œil unique. Il m'a dit de le suivre. Ah, le Très-Haut. Il t'appelle. Peut-être a-t-il l'intention de te parler, de te livrer un message. Seul le Seydre permettra d'y voir plus clair et de démêler les fils qui entravent ton esprit. Ce ne sera pas long. Qu'est-ce que tu prépares ? Un élixir afin de détendre ton ougre et de dérouler tes pensées. Tu entreras dans un sommeil éveillé et rejoindras le monde des rêves. Cela risque de te désorienter. Mais tu dois garder en tête tout ce que tu verras. Bois. Si tu cherches la vraie compréhension. Je n'ai rien vu, Valka. Rien ressenti. Très sage. Très sage. Très sage. Suis-je en train de marcher parmi les morts ? Sigurd ? Sigurd, mon frère. Quand es-tu arrivé ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon frère, que fais-tu ? Il n'y avait pas d'autre moyen, Avi. Notre sort est tracé. Sigurd !
Sigurd! Qu'est-ce que... que s'est-il passé? Ce n'était pas pour toi, Adi. Du calme. C'est Valka. Je suis là. Par les dieux, j'ai cru que... Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, raconte-moi tout. J'étais sur une montagne, par une tempête de neige. Je grimpais vers le sommet, en suivant un loup. J'ai vu Odin. Et les Nornir, filant la trame du destin. Elle me regardait. Elle ne regardait pas. Elle te montrait la voie. Ta vie, ton chemin. Ce qui t'attend. Et où cela prendra fin. Le loup cherchait mon attention. Comme s'il m'invitait à le suivre. Tu es l'ami des loups. Et tu porteras leur marque pour la vie. Cela peut représenter ton ambition ou ta peur. J'ai vu les portes de la halle des champions morts d'Odin. Elles se sont ouvertes pour moi. Les ombres du Valhalla, auxquelles tu es destiné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mes souvenirs sont embrumés. As-tu rejoint le sommet de cette montagne ? Oui, oui. Sigurd était là-haut, blessé à l'agonie. Il lui manquait le bras avec lequel il frappe. Puis le loup a réapparu, de la taille d'un dragon, déformé et terrifiant. Il a posé son regard sur moi, et il a frappé. Puis je me suis réveillé. Les dieux te sont favorables, Eivor. Ils l'ont toujours été. Tu connaîtras la gloire, et tu auras ta place au Valhalla. Mais ces signes portent un message plus sombre. Le bras amputé, la piste de sang, la bête. Ton destin est de trahir ton frère Sigurd. Tel est le sens de ta vision. Non, c'est impossible. Je ne trahirai jamais Sigurd. Il est mon frère, ma famille. Les Nornir ont parlé. Et tel est leur message. Non, c'est faux. Ou tu as mal compris. Ce ne peut être vrai. Tu trahiras, Sigurd. Odin a combattu son destin. Tous peuvent y parvenir.